Guys, c'est Sam Gamecon 4 et aujourd'hui on est en vidéo pour la suite du let's play sur Fortress, c'est ça. On était où là? Que je retourne ici. Ok. Bon, on va se téléporter. Tiens, un nouveau visage. Ouais. Tout le monde peut se servir d'une arme. Il y a un combat de coq, là. Hey. Hey. Attends un peu. On est, camarade. Non, moi je cherche du tabi. Voilà. Principal. Celle-là, oui. J'ai rien d'autre. C'est mon snipe, peut-être. Oui. Peut-être plus encore. Sinon, c'est. Ok. Le shotgun, qu'est-ce qu'on peut mettre? Pas le standard. Ok, ici. Garder le pistolet. J'ai pris où? Voilà. Un des véhicules. Ok, bon. Bon, on est parti. Attention à l'embrayage. Il reste. Il paraît que Rossé est furieux. T'as bien niqué son opération. Traîne pas trop pour m'amener ce fourgon. Approchez, approchez. Venez voir le meilleur sport du monde. On va les récupérer, pas. C'est où le cutané? Je le sais même pas. Allez, mon grand. Calme-toi, rien à craindre. Pas de costume.
Ah, c'est ce truc-là. Allez! Touriste, Philly va t'envoyer une photo du type de camion qu'on cherche. Et toi, tu peux pas le faire? Je le ferai si cette merde de téléphone voulait bien faire ce que je... Non, mais j'y crois pas. Doucement. Okay. Vas-y! Allez! Carlos, j'ai le camion. Super. Récupère-moi à la station service. J'arrive. On est où à la station de service? Ah, faut cacher là-bas. Ouais. Ouais, c'est très facile, j'ai tourné, hein.
quoi le copain? Merde. Bon, restez fort. Out. On va se laisser à la place de ça. On va prendre ça. Couvrez-moi! Pas moi, ta fille de gamme! Ça! Allez, allez! Je vais chercher Carlos. C'est quoi ton problème? Si te mueres el 11 de noviembre en Cartagena, en la fecha del carnaval de Barranquilla, la fiesta de las flores de Medellín, solito, solito el cementerio de Tirana. Presque. Très bien. Rentre le camion dans le garage. Ça marche. Te mueres. En la época de la feria de Cali, solo te enterrarán. Oh, ça c'est du déguisement, dis donc. Lâche-moi et monte derrière. Ok. C'est la première fois que je reviens ici depuis mon évasion. Avant, c'était une école. Mes enfants y sont allés. Combien de temps t'as été enfermé? 8 mois, peut-être plus. 18 heures par jour dans les champs à prendre des coups de fouet et à respirer du poison. Ça bousille la mémoire. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison. Mais j'avais Miguel. On serrait les coudes. Ouais, t'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriace que je connais. Je l'ai élevé comme mon fils. Je lui ai appris à boxer. Il a failli être Seigneur Yara avant qu'on soit embarqué. Comment tu t'es enfui? Un soir, Camilla est entrée furtivement. Elle a planté 3 gardes, pris 2 balles dans l'épaule, chopé un otage et nous a libérés, Philly et moi. Ouais, ça c'est signé, Spada. Ha, c'est bien ma fille. Mais elle a pas trouvé Miguel. Et après, c'est devenu trop risqué. Alors, on l'a laissé avec d'autres camarades. J'espère juste qu'il est pas trop bousillé. On arrive. Plus un mot. Carlos Montero, mais pourquoi t'es là? Miguel, il est où? J'en sais rien. Les gardes l'ont emmené dans la prison. Eh merde, c'est chaud. On se casse. Pars, je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète, papa, je suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station service. Bonne chance. Pinga. Je sais même pas à quoi il ressemble. J'ai un ingénieur en visuel. Le vivier roux est le sang de Yara. Et Mabou Kadar en a une cœur.
maison avec ça. Nous devons défendre nos champs de tabac. Nous devons protéger nos prisonniers. On ira par lâcher à nouveau. Merci, les soldats. Mettez sur pause, ça c'est... Thank you.
que d'ici. J'espère que c'est toi, Miguel. Toi, t'es qui, bordel? Mais où est-ce que ça s'est monté? Voilà qui est mieux. Voilà, type. Là. Voilà la clé. Je dois libérer Miguel. Carlos Montero m'envoie. Des renforts aériens. Bordel, faut qu'on se parte d'ici. Passe devant. Carlos, j'ai trouvé Miguel. Bon boulot, touriste. Maintenant, fais-le sortir et retrouve-moi à la station service. Ok. Oui, mais... Pourquoi tu ne tues pas, Miguel? Je t'en voudrais ça. Ne renonce jamais. Et Miguel, cover-me. Yes, tell him, Rick. Carlos m'a dit qu'il t'avait recueilli, qu'il t'avait appris à te battre et tout ça.
quelques jours. Allo, se lie pas d'amitié avec les autres. Allez, on y va, shot par qui? Et putain! D'un véhicule. Voilà ta caisse. Elle est comme neuve.
toi. Je bouge. Non. Non, tabarnak. Oh non, mais je dis n'importe quoi. Si Miguel aussi m'aurait suivi dès le début, on serait déjà arrivé. Puis si moi aussi, Supremo aurait tiré. C'est bon truc. Bordel, faut qu'on se barre d'ici. Passe devant. Bon. Carlos, j'ai trouvé Miguel. Beau boulot, touriste. Maintenant, fais-le sortir et retrouve-moi à la station-service. Ok. Avec Carlos, tu poses beaucoup de questions. Il est tout seul. On y est presque. Le voilà, Seigneur Yara. Allez, monte. Un peu que je vais monter. Je savais que tu viendrais. Cogno, mon poteau, t'as une sale gueule. Et dire que je croyais que vous étiez rationné. Tu me fais rire. Toujours sobre, t'as raison. Je prends sa part. Miguel. Je suis désolé de pas être venu plus tôt. Je voulais... Je te laisserai pas tomber. Dis pas de conneries, Carlos. Faut ce qu'il faut pour survivre, je sais. Bon, allez, assez parlé. Donne-moi cette putain de guitare. Beau travail, touriste. À notre première rencontre, je voulais te déchiqueter comme un crocodile, mais... T'es un Montero, maintenant, Danny. Gracias. Donc, je dois t'appeler papa, maintenant? Tais-toi et bois. Je ne dormirai plus sous la pluie.
J'ai cru d'aller voir un placement 2. Je vais. On va avoir un petit pointeur. On reste pas le 3. Je sais plus ça. Ok. Bon. Bon, moi je vous dis ça. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao!